Dommage ce bug, oui. Dommage, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Le jeu, il en avait marre en fait. Reloulou, j'ai vu tes messages, Loulou, hein. Il fait noir, il n'y a plus d'espoir. Gris, c'est gris, et je m'ennuie. Oh. Père Noël. Non, ça va, j'ai rien dit. Alors, MDR. Je sais pas. Les boiles, voilà. Et je voulais dire les bombes de toile sont efficaces, mais je dis les boiles de tombe. Les boiles de tombe! Donc, il faut que j'en commence du coup. Alors, il fait quoi, Superman? Manette à la con. Ah! Manette qui m'énerve! C'est pas vrai ça! C'est cette blagounette! Pardon. Oh, une pub pour l'e-sport. MDR, elle s'énerve, attention les yeux. Monsieur. Ah mais il est sérieux lui là-bas? Ah mais j'ai plus de trucs. Ah! C'est compliqué aujourd'hui, hein? C'est compliqué. Ça va? Je crois. Je peux remercier cette armure de sable. Bon, alors, et maintenant? Merci Loulou. Merci Tonio. C'est pas de GG là. À vous, le peuple de Simkari recevra enfin l'aide nécessaire. Mais c'est bien normal. Je me demandais ce que vous alliez faire, vous. Bien, je viens de recevoir l'appel d'une école de Midtown. Il me propose un visa si j'accepte un poste de professeur. Vous n'auriez pas quelque chose à voir là-dedans, des fois? Les bonnes actions attirent les bonnes surprises. Je ne vous remercierai jamais assez.
À chaque instant, j'essaierai d'aider mes élèves à réaliser... Si, malgré la marche des microbes, c'est pas mal. À vrai dire, ce serait plutôt à moi de vous remercier. La marche des microbes. De quoi ? Previously in Walking Microbes. C'est moi ou le monde paraît soudainement meilleur ? Je vais profiter pleinement de ce sentiment pendant quelques secondes. Avant la prochaine catastrophe. Je suis sûr que David sera le genre de prof super cool. Nouvelle tenue débloquée. On va regarder ça. Hein. Qu'avons-nous débloqué ? Hop, elle est là. Je vais y arriver. Ah ! Tenue Spider-Man New Generation. On a débloqué cette tenue. Et il y a celle-là, je crois qu'on l'a pas débloquée encore, ouais. Alors, si vous voulez changer de tenue, c'est le moment ou jamais. Sinon, on garde ça là pour la fin du jeu. Parce que là, on va aller s'attaquer à la dernière mission principale de Spider-Man. Spider-cochon. Donc, si vous voulez changer de tenue, vous savez qu'il y a celle-là. Vous savez qu'il y a celle-là, maintenant. New Generation. Pour Tonio, forcément. Elle est bleue et elle est rouge. Elle... ça m'étonne pas que tu demandes ça à Tonio. Sinon, il y a celle-là aussi. Hein. Voilà. Donc, Tonio propose qu'on passe cette tenue. Si tout le monde est ok, on met cette tenue, sinon ben, je trace comme ça, moi. Oh non ! Quoi, tu veux pas la New Generation ? MK1, ah ! Alors, on a un vote pour MK1, un vote pour New Generation. MK1, on a deux votes pour MK1 et un vote pour New Generation. Excusez-moi, je suis désolée, je dois vous casser les oreilles quand je tousse. Loulou, MK1, ok. Mais Tonio, tant pis. Alors, je crois qu'il y a personne dans le chat, hein, donc j'ai pas fait le 1, 2, 3 à juger. Hein. Donc New Generation sera peut-être pour une prochaine fois ou jamais, puisque c'est le dernier live normalement sur Spider-Man. Pas grave. Alors, pouvoir de tenue, c'est bon, j'ai toujours la concentration. On dirait pas du tout que je joue à Spider-Man, là. Hein. Tiens, à part l'araignée devant, c'est un peu limite. Hein. Désolé, Tonio. Non, mais Tonio, à partir du moment où je mets pas la... Je mets pas la tenue pourrie à Spider-Man, je pense que ça lui convient. En vrai. Mais qui est-il? Je sais pas. Spider-Argent? Oh, Speedou en noir, c'est noir. T'as la classe, Spidey. Alors, la mission principale est ici, je vais me téléporter ici. Pas grave, c'est le vote, ma pauvre Lucette. Je pensais que tu voulais la dégueu, sinon j'aurais suivi. Qui, moi, Warlocks? Que je voulais vous faire voter pour la... Je n'influence jamais les votes, voyons. Ouais, monsieur, on a ça, ouais, ça va. Allez. Votre attention, chers auditeurs. La vérité est prête à éclater au grand jour. Moi aussi, je pensais comme Warlocks. Voilà, certes, Captain. À me faire parvenir des preuves photographiques attestant une bonne fois pour toutes des liens de connivence entre Spider-Man et les criminels d'engrais de la ville. Et enfin, un courageux citoyen anonyme, venez en voir. Nous voici donc en possession d'une photo où l'on aperçoit clairement Spider-Man rôdant autour de stocks d'aide humanitaire, de l'aide destinée à la Simcari. Et notre auditeur héroïque pardon. Que ces mêmes caisses d'aide humanitaire sont vendues. Allez, Jameson, ma longue tu m'as gonflé. Le reporter de renommée mondiale m'a appris une chose. Les photos ne mentent jamais. Et la réputation de Spider-Man ne tenait déjà plus qu'à un fil.
Non, c'est pas un jeu de mots. Je ne m'adresse pas à ce genre de choses. Alors que faire? Eh bien, attendre. Attendre que la police ouvre les yeux et arrête ce désaxé masqué. Il était grand temps que cette ville sache et reconnaisse que Jameson avait vu clair dans le jeu de Spider-Man depuis le début. Non content d'être un voleur, il va jusqu'à dérober des vivres et des médicaments d'une importance capitale pour d'innocents civils coincés dans une zone de guerre. Des femmes et des enfants qui luttent pour leur survie, qui doivent chaque jour échapper aux tirs de mortier et aux... Tiens, mais c'est le message le plus long de sa vie, là, c'est pas possible. Spider-Man vole la nourriture pour la sauver. Même moi, je ne me serais jamais imaginé que ce délinquant puisse tomber aussi bas. Chers citoyens, il n'y a c'est qu'une fini, James. J. Jonah Jameson avait vu juste. Encore une fois. Il est perdu, Jameson, dans sa vie. Eh ben putain. Mettons-nous au travail. Baston. Alors elle est où cette fameuse passe dont vous parliez? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vos jouets sont beaucoup plus cool que les miens. Tu m'étonnes. J'adore le coup de la forteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne courage, Captain, tu vas en avoir besoin. Merci. Dis-nous que je suis complètement KO, donc je sais pas ce que ça va donner. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous, je suis justement expert en calibrage. C'est parti! Bon, par quoi on commence? Mettez le module du laser en place. Tout de suite. Oh, ce laser de fou! Dispositif fixé. Et voilà le travail. Elle a une voix agréable, elle. Ah. Dispositif fixé. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo! Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non? Il n'y a rien à dire. On trouve, on braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne, on fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Ben jusque-là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non? Quand le loup attaque l'agneau, il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Vous allez pas me tirer dessus, au moins? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez ces cibles. D'accord. Ok. Bref. Il faut que je les lance. Ok. L'orgue est bon. La ville. Foule. Encore quelques-unes. Pas de problème. En voilà une autre. Joli tir. Eh, hey, c'est la variante militaire du Valdrap. Oh, on peut en faire encore une, s'il vous plaît. Vous êtes un vrai gamin. Ouais, bah on est tous des enfants, comme vous. Wow. Entrez, il nous reste des choses à faire. Ok, j'arrive. Il faut ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. Évidemment. Non, ça me strong. Accédez à ce terminal. Et attendez que j'active le système.
système paré. J'y vais. Ok, ça devrait le faire. Ah. Vous faites équipe maintenant ? Trop nul. Mais ça ne changera rien. Sable ? Ça va être un coup de main, là ! Le laser a lâché. Le laser arrive ? Ok. Je continue à distraire Armored pendant ce temps. Ok. J'ai un compte à régler ! Rêve l'araignée ! Je tenais à te remercier de m'avoir montré ce qu'il me manquait depuis tout ce temps. Si je veux régner sur cette ville, je dois me moderniser, évoluer. Maintenant que je me suis perfectionné, je vais devenir le boss que j'ai toujours voulu être. Dès que je vous aurai tués, tous les deux. T'es doué, petit, mais t'es pas de taille contre moi. Tu crois que tu me fais mal? Je ne sens plus rien. Essaie d'éviter ça. Pardon, c'est pas le moment de tousser. Oh là là. C'est un combat que t'as perdu d'avant. Stable, vous en êtes où? Le laser est de retour. Maintenant, je peux l'approcher. Pas du genre à abandonner, hein? C'est une qualité, mais ça ne te sauvera pas. Allez-y, les gars! Faites des frayeurs! Oh là là! Va falloir que tu fasses les mêmes. Ah! Merde, je l'ai raté. Continue à tirer. La prochaine fois, on l'aura. Je largue les bombes. Vous les dirigez sur lui. Le bouclier est trop puissant. Je dois d'abord le neutraliser. Je dois attraper les bombes dès là. Utilisez les bombes pour neutraliser son bouclier. Je lâche votre bombe.
Ah! C'est le bordel. Ouais, je vais crever, je vais crever. Ton bouclier est à jette. Indestructible, hein. Au revoir. Elles peuvent pas passer son bouclier. Woof!
frapper mes bombes telles larges. Je dois d'abord le neutraliser. C'est le Nawak Superman Punch. Bruh, terrible coup spire de l'appareil. Il est pas mort encore en forêt? Ah punaise. C'était fun. Spire de la voix. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr. Bien, oui, non, t'inquiète, j'avais compris. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Hashtag Warlock, je sais. C'est ce que font tous les héros. GG, Captain, merci. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non. Bien sûr. Il va falloir utiliser les bombes, je crois. La phase la plus compliquée arrive, Spire de Hammerhead. Dites, vous voulez bien me déposer en ville? Je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant Captain, des mois, tu alors... as fini, Spido. Complètement fini, ouais. GG Captain, même malade, on sent que la cartouche de skill est là quelque part. Merci de rien. Elle est là, elle est noyée dans les microbes, c'est ça? Et bien voilà, on a terminé complètement Spider-Man. En mémoire de Stan Lee. Oh, c'est fini, Spidoudou. Je kiffe cette musique. Tu sais qu'il m'est arrivé de me réveiller le matin en ayant cette musique dans la tête. Alors, je vous remercie. C'est fini. 5 minutes. Je vous remercie tous d'avoir été nombreux à suivre ce let's play avec moi, d'être venus sur Twitch, d'avoir regardé, d'avoir parlé, d'avoir juste regardé sans parler, y a pas de souci avec ça. Je suis triste les copains, merci à la team Rediff YouTube d'avoir regardé, d'avoir laissé des pouces bleus, tout ça. Merci à tous. Moi je me suis régalée. Je vais passer. Voilà. Je me suis régalée avec ce jeu. Donc on va voir la dernière scène. Merci à toi, Captain, pour avoir fait ce jeu. C'était super sympa. Merci, Dolphini. Prêt? Voilà. J'ai l'impression que les lance-toiles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire. Allez, essaie de suivre. Très galé, Captain, avec tes lives sur Speedoudou. Merci, Loulou.
Spider-Man, bravo, vous avez terminé le scénario Le Retour de Silver. Ainsi s'achève la saga La Vie qui ne dort jamais. Bien joué, héros. Bon, Hammerhead a eu son compte. Mais ces hommes courent toujours. Eh oui, pas de repos pour les araignées. Alors par curiosité, on va regarder c'est quoi la tenue, la dernière tenue qu'on a débloquée. Et ensuite, on arrêtera là ce live pour en lancer un autre, puisque on part sur le DLC. On a obtenu le trophée La Ville qui dort parfois. Puisque vous avez voté la dernière fois pour qu'on joue au DLC de Assassin's Creed Odyssey, l'héritage de la première lame. On va bien rigoler aussi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Odyssey et je sais plus jouer. Voilà. Et en plus, je suis malade, donc voilà. Et puis on va faire en même temps la petite pause, comme ça je vais me requinquer un peu là. Parce que ça m'a demandé. Ah, c'est ça la tenue ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais elle est magnifique cette tenue, Tonio ! Cyborg Spider-Man. J'ai de la chance, Tonio, qu'on ait terminé Spider-Man, sinon. Dardan, je ne parle pas votre langue. Allez, chers amis, merci à tous d'avoir suivi ce let's play. Merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, je me suis vraiment régalée. Et puis, comme vous me l'avez dit, ben, apparemment, vous aussi, ça me fait plaisir. C'est vraiment un très bon jeu que je conseille. C'est kiffant de pouvoir jouer Spider-Man comme ça. Franchement, c'est super bien fait et tout ça. J'espère qu'il y aura un deuxième opus. Et s'il y en a un deuxième, ben, franchement, je le ferai avec plaisir. Oh non, mon Dieu, Jameson. Tu vas dire au revoir tranquillement. Hammerhead a enfin été neutralisé pour de bon jusqu'à la dernière pièce robotique. J'irai même jusqu'à accorder une once de reconnaissance. Hello Kat, comment ça va? Ça va mieux, oui, ça va un peu mieux, merci. Cependant, tandis que les médias de masse. Tu arrives à la fin, Kat. On vient de terminer Spider-Man et on va s'arrêter là pour lancer un autre live et partir sur Odyssey. Merci, Captain. Merci à Team Rediff. À tout à l'heure pour le début du DLC. Salut, Kat. Coucou, Kat. Comment vas-tu? Qui a attisé une guerre des gangs et provoqué la mise à pied d'un capitaine de police décoré. Ah! Alors, bien sûr, ils ont réglé le problème. Mais un problème qu'ils avaient eux-mêmes causé. On vient de terminer Spider-Man, en fait. Juste là, à l'instant. Complètement terminé. Et là, j'étais en train de dire au revoir pour lancer le live d'après. On va faire une petite pause de 5-10 minutes. Moi, je vais arrêter complètement ce live. Et je vais lancer le live d'Assassin's Creed Odyssey, le DLC, l'héritage de la première lame, dans 5-10 minutes. Merci, Captain, pour tout ce let's play live. Merci, Tonio. Ça peut aller. Je me suis régalé. Merci. Salut Kat, ça va, merci. On se retrouve dans 5-10 minutes pour le DLC d'Odyssée. Et vous, ça va le chat? Alors je vais se parler entre vous et puis moi je coupe tout. Et je vous dis à dans 5-10 minutes pour le début de l'héritage de la première lame avec Cassandra. Oh, on va retrouver la camionneuse. Merci à tous, merci infiniment. Et puis pour la Team Rediff YouTube, merci, prenez soin de vous. Ou Team Rediff Twitch, pourquoi pas. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle, un nouveau let's play live. Allez, je vais me taire et aller prendre un efferalgan, je pense, tu vois. La camionneuse grecque. Allez, à de suite, les amis.